Et voilà, c'est parti pour ce match de poule de Coupe du Monde. Federico Chiesa, Nicolo Barella, Acerbi, Lorenzo Insigne, Spinazzola. Et l'Italie peut mettre en place une attaque. Ah non, finalement le ballon est perdu. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, et bien joué, la bonne intervention. Minamino. Minamino. Oh, ça peut aller au but. Ouais, facile pour le gardien, aucun danger. Attention, c'est mal relancé. Bonne intervention, le ballon est gagné. Et peut-être l'occasion de marquer. Ouais, très bonne intervention là. Insigné. La frappe est un peu trop enlevée et elle finit sa trajectoire très loin du but. C'est pas le bon choix à une telle distance. Oh, le ballon intéressant. Une nouvelle occasion ici. La parade. Quel arrêt de cette action. Il y a tout dans cet arrêt. La présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les 3 P. La bonne intervention. La passe est interceptée. Et c'est le moment de déclencher. Et la bonne intervention pour gêner l'adversaire. Mais c'est pas fini. Quel dommage de s'enfermer comme ça et de ne pas jouer collectif. Son tir a beau être proche de la cage, avec cet angle, c'est assez inoffensif. Barella, Federico Chiesa, Verratti, Spinazzola, Insigne, ça joue avec Spinazzola, Marco Verratti, Lorenzo Insigne. Là, ils sont bien tournés de ballon pour trouver une faille, intervention du gardien. Chiesa reçoit le ballon, la grosse occasion pour passer devant. Goal ! Et voilà le premier but de ce match, celui qui fait beaucoup de bien au mental. Le secret de ce bombasso, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de feu. Et on s'arrêtera donc là-dessus, c'est la mi-temps de ce match. L'Italie mène au score, c'est reparti dans ce match. Allez, c'est reparti la deuxième mi-temps dans cette rencontre de phase de groupe de Coupe du Monde. Junya Ito. Tomiyasu. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Giro Immobile. Nicolo Barella. Federico Chiesa, Di Lorenzo, Barella, Spinazzola, Lorenzo Insigne. Bien défendu, le ballon est récupéré. Nicolo Barella. Minamino. Super le geste défensif et le ballon est envoyé en corner. Voilà, le remplacement intervient. Ah, l'Italie qui perd le ballon. Ballon pour égaliser. C'est sur le poteau, ça revient. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Eh ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Giro Immobile. Lorenzo Insigne. Immobile. Ouais, le ballon est bien intercepté.
Et le ballon est rapidement mis. Le coup de sifflet final, donc dans cette rencontre, on va en rester là avec une victoire à domicile. Oui, une victoire qui se joue à un petit but d'écart. Autant dire, pas grand-chose.